T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour le premier télépêche de l'année 2024. Et tout d'abord, toute l'équipe du magasin de Conak vous souhaite une très très bonne année et surtout une bonne saison. Alors c'est le début des soldes, hein, le 3 janvier jusqu'au 31 en Belgique. Et il y a des produits à ne pas manquer. C'est vraiment le bon terme, parce que là j'ai fracassé les prix. Alors... une canne spécimen chez Milo. Bon, il y a du carbone, elle est un peu lourde. Guillaume vous met la fiche technique, mais elle est très très costaud parce que c'est fait pour pêcher bah, les grosses carpes, hein, jusqu'à 20-25 kg. C'est que ces pêches sont rares au coup, mais c'est possible, et surtout bah, les sturgeons et le silure. Vraiment très très costaud cette canne. Guillaume vous met la fiche technique. Tac. Et là, vous avez un prix. Je vous mets là, défoncé. Hop, une canne de bordure en 6 mètres de chez Preston. Bah là, c'est très léger et c'est très agréable. Et en bordure, 6 mètres, c'est sympa parce que vous pouvez pêcher eh ben, en 4,50. Hein, il y a un talon 4,50 et le talon 6. Voilà. Guillaume vous met la fiche technique. Hop. Et là, vous avez un prix très très intéressant. Il y a plein de leurres hein, dans les soldes. Guillaume vous les fait défiler. Profitez-en. Et puis là, on va aller voir des top cannes avec des prix vraiment plus que sympas. C'est Westin dans la série W3. C'est des cannes magnifiques avec une super résonance. Il y a la 5-15 grammes pour pêcher la perche et de cendre. C'est une 5-15, donc ça permet déjà un gros panel de leurres en 2-13, très très sympa. Guillaume vous met la fiche technique et là vous avez un prix soldé tout à fait intéressant. Ensuite, ah c'est pas drôle de vieillir, vous avez une 2-25 en 5-15 aussi, une canne un peu plus grande, là, pas très, vraiment en action de pointe. Canne très très légère, Guillaume vous met le poids aussi des cannes, là vous avez quand même rien dans la main et bah, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Tac, vous avez un prix soldé tout à fait simple. Après c'est des cannes plutôt brochées, hein, plus puissantes, en 2,70 m, là c'est une 20-60, donc c'est pas la même configuration de leurre, des cannes beaucoup plus rigides. C'est des anneaux SIC en deux brins, et ça aussi, là vous avez un prix soldé tout à fait intéressant à ne pas manquer. Les stocks sont limités, hein, on a 2-3 cannes de chaque, donc premier arrivé, premier servi. Et après, vous avez la 21-70, toujours en W3 en 2,70 m, donc c'est idéal pour pêcher du bord. Là, c'est une canne très très puissante, très rigide. Guillaume vous met la fiche technique, deux brins, un osic et le poids. Et là, vous avez aussi un prix soldé qui vaut le coup. En casting, hein, des cannes puissantes, puisque là, vous avez une 40-100, donc qui permet de pêcher avec des gros leurres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cannes en deux brins. Pour l'encombrement, c'est génial. Hop, là, la série W3 a une bonne résonance. Des cannes rigides, puissantes. Ça, c'est une 40-100 grammes en 2,40 m. Vous avez le prix soldé et la fiche technique. Là, on en a 3 en stock. Ne tardez pas trop si vous avez des besoins. Et une canne plus passe partout. Une rigide également, très bonne résonance. Hein, comme toutes les cannes Westin. Là, vous avez, c'est une 20-60, donc ça permet un panel de leurres relativement important pour pêcher bah, plutôt le brochet et le cendre. Là aussi, c'est une canne de brin montée en SIC, la fiche technique et le prix soldé. Voilà. Vous avez une rubrique solde hein, où il y a des produits dans tous les types de pêche et des bonnes affaires à faire. Voilà, c'est du 3 janvier au 31. À la semaine prochaine pour un nouveau télépêche. Ciao !